Salut YouTube! Actuellement, je suis dans les airs, je vais soigner l'hôpital. Je suis dans une forme plutôt olympique, donc cette game, je sais parfaitement que je vais la gagner. Il n'y a absolument aucune difficulté. Bon visionnage, pense à liker, commenter. Bisous! Avoue que le shot à la mire t'as été impressionné, Socad. Tu t'es dit, what the heck, man? Alors, on en parle, le premier stream hacker il s'appelle Lardon. Non, Big Mac. Et le deuxième, Lardon TV. On va se mettre un nom de bouffe. Ça va faire de nous des mecs malins. Sac à merde. Quand c'est trop long comme ça, les gars, la meilleure option, c'est faire une rotation. Il est où, fils de pute? Très bon lui. Extrêmement bon même. Connaissance en approche. J'ai des yeux partout. Poupetto du vin. Ok, il y a probablement un mec dans la banque, un mec dans le truc et un mec sur la hauteur. Le mec sur la hauteur va me décaler en premier. Ok, il vient de se faire défoncer en une balle par... Est-ce qu'il est sur le toit? Est-ce qu'il est à la fenêtre? Est-ce qu'il a les yeux bleus? La réponse n'est autre que... C'était... Hey. Ah, c'est bon, crève. Crève, Rafoski 99. Vous pouvez venir, les gars. Cette game, elle est à moi. C'est ce qu'on appelle des vagues de stream hack, les gars. Ça se contre facilement, vous avez pu le voir. À tous les streamers, les gars, qui râlent d'avoir 5 stream hackers dans leur lobby, parlez-leur de la légende de show. Je veux que vous leur parliez de ma légende. Le seul streamer à jouer sans délai. Du coup, je vais. Je pense que pour me faire du bien, je vais tirer un énorme quickscope sur le mec devant.
Juste pour me soulager, tu vois. Toujours se balader derrière une cover pour éviter de te faire paralyser et de te retrouver comme un jambon en plein milieu d'une route. Appuyez sur la touche ego si vous aussi vous pensez qu'il y a un peu d'ego dans ma game. Mais non, c'était Evie144 qui était caché à la fenêtre pour essayer de me tuer tout à l'heure. Je suis vraiment surpris que maintenant il se cache dans un buisson pour retenter ce qu'il voulait faire. On va attaquer une rotation. On va attaquer une rotation de sur 500 mètres jusqu'à là-bas. Quand il y a autant de streamhackers dans une game, les gars, pour m'en échapper, j'ai plusieurs stratégies. Même si j'explique les stratégies, les streamhackers sont trop bêtes pour les comprendre, donc je peux me permettre. J'ai tradé assez souvent dans cette zone. Je fais une grosse rota sur 300-500 mètres. Je reclaque un drone et je repars slide dans le secteur. Juste le fait de traverser du point A au point B, la plupart de ces mange-merdes vont crever. Et s'ils arrivent, j'arriverai à les détecter vu qu'ils seront à plus de 200 mètres et que je pourrai voir les fantômes. Reconnaissance en approche. J'ai des yeux partout. Allez, go. Comme dans les films. C'est bien joué. C'est très 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 bien joué. C'était trop bien. Tu peux être fier de toi, mec. T'as vraiment bien joué. La légende raconte que quelqu'un est en train de me regarder juste en face. Demande de reconnaissance de la zone. Je veux tout savoir. On avance dans ce secteur là, on sait qu'il y a 3 points. Ce qui fait que si j'arrive à me dépêcher et à jouer correctement, je vais passer de 14 à 16 kills. Voilà, le mec à droite m'a repéré. Il y a un fantôme. Victime repérée. Ok. Alors ça c'est pas cool parce qu'il va vraiment... Voilà. Là, je me débarrasse du fantôme en faisant ça. Bouge pas? Ouvre la bouche? C'est bien, mon gars. C'est bien, ma puce. C'est bien. Apparemment, il y a un mec juste là, les gars, maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est... No scope. Okay, peut-être plus scope. Ok. Il nous en reste un autre qui va avancer. J'ai pas le temps de recharger. Il va arriver. Ok. Il est mieux placé que moi. Et je suis meilleur. Je vérifie la maison d'à côté. Il n'y a rien. On profite du silence de mort pour retourner sur le shop. On part sur un drone. Il reste plus qu'un mec à droite normalement. Ouais, c'est bon. Cette info, elle a pas bougé. On vérifie direct la fenêtre et la hauteur. On voit rien. On avance. Je vire le ping pour pas être dérangé. Là, on peut voir que le mec est au même niveau que moi. Ça va partir sur... Ok. Hop, on va paralyser là. On va passer la... Hop là. Et le headshot. En gros, le fait que la clé morse se déclenche pas, c'est à cause de la paralysante. On va lancer une para à côté. Tu en profites pour passer. Le mec a pas tilté que sa clé morse a pété, donc il s'y attend pas à ce que tu sois là. Et tu pratiques la sodomie sur lui. Même truc que tout à l'heure, les gars. Ça fait combien de temps qu'on est dans cette zone? Ça va faire 3-4 minutes qu'on y est. On fait genre qu'on va monter. Hop, on monte pas. Juste pour provoquer un tir de sniper s'il y en a un. Pas de tir de sniper, on monte, on se casse, on va à 400 mètres. Donc hop, on part dans le même délire.
On claque un drone dans la zone, on slay. Et on est parti. Alors. Vous voyez le truc qui s'est écrasé là à côté? Oh génial. Ok. Il y avait un mec caché dans le buisson, il y a une voiture qui arrive exactement en même temps. Le mec dans le buisson rentre à l'intérieur. Je rentre aussi, je prends l'étage, c'est ce qu'il a dû faire. T'es en feu frérot, t'es en feu mon grand, t'es en feu. Hop, il y a un sniper derrière moi, probablement dans la montagne ou un truc comme ça. Pas d'info. Ok, il y a un mec qui vient d'arriver à ma droite, il y a un autre à ma gauche. On va buter d'abord le mec à droite, puis après on s'occupera du mec à gauche. Hein. Go, on avance. Il m'a repéré. Je prévois qu'il va avancer dans ce sens. Il prend juste la voiture. Hop. Il se trouve avec une flèche. Hop. La paralysante qui part, c'est de la IM assist le mec. Et on va lui suggérer les gars de sommeiller son joystick dans le cucu. Voilà, c'est bien. On continue d'avancer les gars. Oh, une paralysante. On était attendu par... Oh, il me l'a collé. Je suis mort, mais c'est pas si grave. Ah, ça t-back, c'est content, Prometheus. Je l'ai déjà tué une fois ce mec là, tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti les gars. On part sur un double jump instant les gars. Mort. Ok. Ok chat. Donc là, où est-ce qu'on en est dans la partie? Il reste plus qu'un streamac au sol qui est dans ce secteur là et qui doit camper mon loadout. Du coup qu'est-ce que je fais? Je me décale légèrement vers la droite, vers une zone qu'il n'arrivera pas à toucher. Je garde un petit déplacement latéral juste avec vous choisissez D ou Q, soit vers la gauche, soit vers la droite. Moi je vais me coller un maximum vers le bord de zone. Comme ça, on va provoquer que notre colis tombe dans ce secteur. Je pourrais aller chercher comme ça mon sniper un peu plus tard, tu vois. Ça va être maintenant. Hop là. Exactement là où je voulais. Les bâtons, soit l'arme la plus rapide du jeu. On est parti les gars. Du coup on attaque notre rotation en sachant que quelqu'un va nous tirer dans le dos incessamment sous peu probablement. Ou quelqu'un qui a pris la hauteur pour nous piéger. En tous les cas ça peut pas être facile. Ah ok, il y a une moto qui s'échappe. Attends. C'est un peu la panique là les gars. Hop. Personne à droite, personne à gauche. Tout le monde avait, à part la moto, tout le monde avait fait sa rotation tu vas me dire. Voilà. Il y a un piège, les gars. Il y a un putain de piège quelque part là. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Quel enfant de pute. Quel enfant de pute. Un mec caché dans des buissons, les gars. Oh là là, il m'est cher en plus. Heureusement, il a le même temps de réaction que ma mamie. Je pense que je vais le... It was at this moment Jackson knew. He fucked up. C'est pas vrai. C'est tellement bien joué. Il avait laissé une bêtise dans le coin. Oh là 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 là, c'est bien joué.
C'est bien joué. Je m'y attends. Il a trop bien joué. 4 kills. Il a 4 kills, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va rader sa fin de game, les gars. On va rader sa fin de game parce qu'il jouait vraiment pas mal, hein. Il jouait vraiment pas mal pour un pangolin, hein. Là c'est 4 derniers kills, il vient de les faire là, les gars. Il a tué un mec avant, il a tué le mec à droite, il m'a tué moi. Genre le mec c'est un assassin de ouf, hein. Il est parti du pilier. Honnêtement, je pense que c'est que de la chatte, que le mec est éclaté, mais j'aimerais vérifier quand même. Ok, il a repéré qu'un sniper était à gauche et un autre à droite. Il prend l'info en sautant. Il a repris l'info. Il va reshield. Il reshield, les gars. Et il se rend compte qu'il se tirait dessus dans le gaz, il doit traverser, pas le choix, l'anchois. Il va re-shield. Non, il se place bien. Hein. Il a une vraie intelligence de jeu. Il y a une vraie intelligence de jeu derrière cette personne. Il est nul à chier, tu vois, en termes de skill, de déplacement, mais il est malin. Il a quelque chose de malin en lui. Attention, la décale, rapide comme l'éclair. Le spray contrôle au bon moment. Ah non, mais il est... Vous avez vu comment il est malin, ce petit salopard? Il est dans la maison avec le corps. Les gars, il est à chier. Mais qu'est-ce qu'il est malin, ce bâtard? Il temporise, les gars. Situation, il est dans les 4 derniers actuellement. 2 spectateurs, une des bêtises qui vient de se déclencher. Un regard affûté, il y va. Il va sur le flanc. Quelqu'un était caché dans le gaz, dans un buisson. Ah là, assez compliqué là. Ah là, c'est dur ce qui vient de se passer. Dans un buisson, dans le gaz, les gars. Ah, j'espère que ce mec va perdre. J'espère que ce mec va perdre, les gars. Mais il a 2 paralysantes. Oh oui! Oui! Prends-toi ton turn, sale chien! Rêve! Chien de la casse! On lève, il est wow. Vous êtes